Let's go. Aujourd'hui, on est à Cannes et tout le monde est là. On va essayer de trouver un petit spot de cliff que nous ont indiqué les locaux. Donc là, c'est parti, on descend. J'espère que ça va être stylé. Bon, on a quand même amené les combis puisqu'on est habitué à cliffer en Bretagne. Et l'eau est encore bien, bien fraîche chez nous. Mais je crois qu'on va peut-être pas en avoir besoin. La Méditerranée, là, elle est chaude. Mehdi il est choqué parce que non, la Méditerranée est trop bonne, c'est incroyable. Je sais pas où il est le spot, mais je crois qu'il est là. Là. Et puis on va dans l'arche, c'est stylé l'arche. Ouais. Mec, l'eau elle est tellement bleue. Ça fait tellement plaisir là. Dans cette habitude, on cliffe que dans des carrières ou dans la Vienne ou dans des spots, ça va, mais là c'est la mer quoi, ça va faire trop plaisir. En plus il y a, on dirait qu'il y a un genre 15 mètres là, ça fait trop plaisir. Oh merde. Bon, on est juste en dessous de le spot, on va essayer de faire une petite coulée. Il n'y a pas énorme, mais il y a genre 4 mètres, 5 mètres. Bah, 4, c'est bon. Il y a 4, 5 mètres. En fait, le départ, il est tout piquant. C'est tout pieds nus. Yeah. Oh ah. Hein. Il est trop chaud. Bah du coup la coulée c'est donne et là avec Léo on va mesurer le saut. Attention les enfants. Ouais, à peu près il y a 11 mètres. Ah c'est tout. 11 mètres. 11 mètres. Let's go. 3, 2, 1, c'est bon. Ça fait quoi là? Ça déblaye. Ça déblaye comme jamais là, tous les fois il est parfait. Allez. Tu veux tenter couline? Couline de 10 mètres. Let's go. Oui. Ça c'est propre. Plaisir. Do you like the jump? Huh? How was it? It was very good. I'm impressed. I'm a bit scared if I'm helping you, but yeah, very good. It's fine. Thank you. Okay. Avec Léo, on a repéré un plus gros saut là. Mais bon, il fait un peu badé. Le saut c'est ça. On partirait de là pour attirer là. Il y a Léo qui fait un petit saut de préparation juste en dessous. Pour voir si ça le fait et tout niveau français. Yeah boy! Wow! Ouais! Il y a un beau petit gap. Putain, il est badant! Hein. Ça part pas du tout en gainer. Pourquoi? Mais bien sûr que en vrai, ça pue. Pas que t'ailles loin. Oh non! Fuck, il y a plus de 20 mètres. Elle a pété. Elle est à combien? Bah, il y a plus de 20 mètres, ça veut dire. Ça touche pas l'eau là? Ça touche pas l'eau? Bah, ça dit, il y a plus de 20 mètres là, il y a plus de tape et elle a sauté. Quoi, il y a plus de 20 mètres là? Bah, regarde, ce qui est pareil. Hein. Parce que là, déjà, il y a 20 mètres et après, il y a tout ça qui a sauté. Pourtant, j'ai essayé de la retenir. Ça va partir, hein. Mais là. Tu sens comment?
Ouais bah en vrai c'est pas mal, enfin il y a 20 mètres, on a déjà fait des 20 mètres, c'est juste que là la falaise elle est quand même bien rapprochée, du coup ça fait comme si tu sautais dans un truc assez minuscule, donc t'as l'impression un peu de vider, donc ça brouille un peu les perspectives, mais bon franchement ça va le faire. Hein. Moi je voulais le faire en gainer, mais j'ai l'impression que si je fais en gainer je vais arriver tout près des rochers, du coup je le fais pas, je trouverai un autre spot. 3, 2, 1, let's go. Let's go! Mais mec, t'es trop chaud! Ça fait trop plaisir! Incroyable! Oui, c'est professionnel des surprises! Il me dit je le fais en droit et il part en gainer, c'est fou! Bon bah c'est bon, la petite session cliff est terminée. C'était vraiment trop stylé, on a trop kiffé. À dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.